vous sentez ces bonnes odeurs de lavande. Bienvenue pour des échappées belles gourmandes en Provence. Alors il y a plusieurs Provences, hein, celle de Bagnols, de Giono, de Van Gogh ou encore de Cézanne. Cela dit, je comprends pourquoi autant d'artistes ont été inspirés par ces lieux. Admirez cette palette de couleurs autour de moi. Un événement qui va lancer l'été à Cannes. Elle est la capitale de la French Riviera depuis les années 20. Avec ses défilés de voitures de sport, ses boutiques de luxe, ses stars et ses plages face à la Grande Bleue, Cannes a toujours fait rêver. Ça c'est Cannes. L'été, sa population passe du simple au triple. Les millionnaires du monde entier s'y pressent en jet privé, en hélicoptère et en yacht, bien sûr. Certains séjournent dans les palaces de la Croisette comme le mythique Majestic. Vous croiserez d'abord la route du village de Bormes-les-Mimosas, au charme et à l'authenticité préservée. Non loin de là, vous découvrirez les mille richesses du massif de l'Estérel, avant de vous laisser enivrer par les saveurs de la cuisine provençale. Il a fait ça toute sa vie. La deuxième étape de notre voyage nous emmènera à la découverte du pays cannois. Ces petites îles préservées loin du tumulte de la ville, son artisanat millénaire, mais aussi ses châteaux de charme, les pieds dans l'eau. Maintenant que tu me dis ça, je la regarde d'un tout autre œil. Jalonnée de superbes portes marquetées, de petites placettes et de fontaines ombragées, la ville haute, ancien quartier bourgeois de Sisteron, abrite aussi la tour de l'horloge et son campanile en fer forgé. Ou encore la cathédrale Notre-Dame des Pommiers, ouvrage majeur de l'art roman provençal. Mais le monument le plus surprenant, le plus grandiloquent, le plus grandiose est la citadelle de Sisteron. Édifiée au XIIIe siècle, elle déploie ses remparts sur près de 10 hectares et dévoile plus de 8 siècles d'architecture et d'histoire.